Le bâtiment, je n'avais jamais fait, mais quand je suis venu, ah là là, j'ai trop kiffé le bâtiment. L'alternance, pour moi, ça s'est super bien passé parce que Lyon, en gros, c'est comme une deuxième famille pour moi. J'ai un travail fixe, que je suis fier de moi, je peux me regarder dans une glace et puis sourire. Du coup, j'ai réussi en quelque sorte. C'est une bonne entreprise parce qu'ici, il y a la solidarité d'abord. Si tu travailles dans une équipe, que ça se passe bien, sûrement, ça va tisser des liens. Je suis super fier de travailler ici, je suis super, super. La première rencontre, ça a été à Trappes? Oui, ça a été à Trappes. Au CFA? J'étais un peu timide, en vrai. J'étais timide et puis j'ai commencé à m'améliorer aux gens. T'es sûr que tu t'es amélioré? Le duo, ça a marché parce qu'à la base, quand il est arrivé, il avait cette envie d'aller dans ce chemin, dans cette direction. Nous, on est là seulement pour l'aider, mais c'est à lui de faire le reste. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'étais content parce qu'il savait que j'allais avoir un CDI après. Du coup, j'étais content et je suis venu tout souriant. Notre duo a très bien fonctionné dès le départ parce qu'il y a eu un respect mutuel tout de suite. Quand je suis arrivé le premier jour, la rencontre elle s'est super bien passée. Il y avait d'abord de la confiance et j'étais déterminé aussi à le prouver. Et Ibrahim, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir et ça a matché dès le départ. J'ai accepté d'être tuteur car aujourd'hui on a de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée. C'est un honneur d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais. La transmission, je pense que c'est la chose la plus importante qui existe dans le bâtiment. C'est Léon Gros, j'ai beaucoup appris parce que j'arrivais même pas à manipuler les machines, la scie circulaire, le marteau piqueur. C'est que tu apprends à l'école, tu appliques sur le chantier. Et comme ça, tu comprends mieux la chose, tu comprends que voilà, c'est ce que tu as appris qui est là. Il est attentif en tout, il veut apprendre, il pose beaucoup de questions, c'est formidable. Il s'est très très bien intégré, il a une évolution très rapide. Le métier de bâtiment, ça m'a fait trop changer, parce que ça m'a fait grandir aussi. C'est le jour et la nuit, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est un autre bonhomme. Ah, c'est un échange tous les jours, hein, et de voir l'évolution d'un jeune, c'est quand même formidable. Je suis venu ici, j'avais la force et la détermination. Mais avec lui, il m'a donné encore plus de force. Moi, je suis là pour le guider dans sa formation. C'est pour ça que je le mets dans des postes différents, pour qu'il acquiert des expériences différentes. Les jeunes, ils ont besoin d'une aide et de savoir des personnes plus âgées. J'ai appris à implanter, j'ai appris à tracer, j'ai appris à faire du coffrage. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Si je ne faisais pas bien à mon stage, apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui j'allais avoir le CDI? C'est grâce à lui, hein, donc bon, je le remercie beaucoup pour ça. Ma situation s'est améliorée depuis que je suis ici en France et chez Léon Gros. Quand je me lève le matin pour venir au travail, j'ai toujours le courage ici. Moi, je suis là pour récupérer ta place. Tu vois, ça donne de l'ambiance. Comme il dit, hein, un de ces quatre, je prendrai ton métier. Donc, je le souhaite. Bien sûr qu'on est fiers de savoir qu'on a un collaborateur qu'on va pouvoir embaucher à la fin. Je suis fier de Moustapha parce qu'il a compris qu'étaient les bases vraiment de travailler dans le BTP. Moi, l'avenir, c'est parti en retraite. Et toi, tu me remplaces. Chiche ? Chiche. Allez.